aurons une belle journée, toi et moi, lady. Oh, ah, bonjour. Donc, bienvenue à l'épisode 9 de Dark Souls 2 avec Obi-Sam. Alors, maintenant qu'on avait tué la fille avec un manteau dans le noir, on avait plusieurs chemins. Donc, vous voulez dépétrifier la madame que j'avais vue du... Enfin, vous avez pas eu en vidéo, mais qui est là-bas en fait. Sinon, on pouvait se laisser tomber dans ce petit trou. Et sinon, on a un autre truc qui a l'air sympa que j'ai envie de tester. Parce que du coup, voilà, je me suis joué. En fait, c'est parce que c'est le plus à droite. Du coup, je fais à droite, milieu, gauche dans l'ordre de découverte. Du coup, c'est elle, quand tu lui parles, bah ça fait ça. Just speak up if you're in need of miracles. That's why I'm here, after all. Donc ouais, on peut les acheter, on peut lui acheter des miracles, tout ça, genre comme ça. Mais on peut aussi faire un truc qui s'appelle déplacer la voix. Et il faut 2000 âmes. Et le truc c'est que je les ai pas. Ouais, chut. Oh, voilà. Et du coup, bah, j'ai envie de tester ça. Donc je vais aller farmer vite fait là-bas. Je reviens. Ok, maintenant on peut y aller pour se faire raqueter pour qu'elle puisse voir le passage. Pêche, pêche. Voilà, déplacez la voix. Oui. Go ahead. C'est tout. May the power of miracles be with you. S'il fallait appuyer ici, je pouvais le faire. Hein. Hey, oh, qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est trop de choses. Ah, est-ce que tu des PV l'utilisation de sort? Super. Enfin, si, en vrai, ouais, super, mais c'est. Mais bon, pas trop utile là. Ah. C'est pas très réconfortant ça, puis il fait un peu sombre. Je suis le fantôme. Messieurs, mais pourquoi vous courez? Ok. Excentrique droit devant. Bah ouais, je cherche voir ça. Mes amis. D'accord. Bon, ça, il y a plein de gens qui crèvent là, dans ce coin là. Ok, ça doit être lui. Et les fêtes droit devant. I don't know who you are, but leave me be. The frailty of the weak disrupts the dark. Leave me alone. I'm interested in one thing, dark. You haven't the gift. Ok, ouais, c'est comme l'autre connard qui fait « Oh, moi je parle comme un magicien !» Non, bon. Voilà. Ça fait sombre. On va se prendre une torche, hein, qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas, j'avais l'instinct que si je cassais ça, j'allais avoir une torche. Bon. Allez, hop! Allume la torche! Voilà! Comme ça on peut allumer, tout ça. Et toute petite marque d'invocation! Non, peu de 7, non. Mais c'était vide, la toute petite marque. Ah! Ah ouais, hein. Ah non mais je le savais, attends, un vieux truc comme ça là, on me l'a fait pas 1000 fois. Hein. Non, non, non. Putain, non, je trouve ça merde. Voilà. J'ai pas laissé juste la synchro verticale. S'il fait, voilà. Non, pas là. Synchronisation verticale, c'est où ça? J'ai un petit réglage. Ok, bah après cette expérience traumatisante, on peut continuer, hein. Attention, poison et donc essayer combat à distance. Même si je prends mon arc. D'accord, de la merde là qui fait du poison. Ok. On va essayer de se grouiller alors. Ouais, ça, c'est pas si grave. Oh yo! Bah ouais, hein. En même temps, tu restes là, assis, à m'attendre. Le vrai combat commence. Super. Je suis impatient. Ah. Qu'est-ce qu'on a, là? C'est pas très contrasté. Non. Ouh la vache! Oh le bâtard! Ok. Oh, j'ai arrêté de faire des conneries, ce serait cool. Ok. Bon alors, lui je le bute. Voilà. On explore un petit peu la zone en essayant de ne pas se sortir par l'archer. Aïe. Super. Oui, oui, pendant que je me bats, je vais aller allumer ça. Voilà. Comme ça. Non mais arrêtez de me cogner pendant que je suis en train de... Voilà. Super. Voilà. Toi, tu vas le fermer. Voilà. Et je vais tuer ce putain de marché. Comment ça se passe? Mamie, mamie. Oh le bâtard. Attends, soin. Attends, je me soigne. Mais attends, pas cool. Qu'est-ce que tu fais, toi, le mec qui fait des pirouettes? YOLO. Aïe. Je voulais faire un poussé, mais j'ai pas réussi. J'essaie de le faire sur l'autre. Ouais, hein, parce qu'il y en a un autre. Je crois que je t'avais pas vu. Ok. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Et le pousser dans le vide. Mais bon, ça a pas l'air de marcher. Tiens. En fait, je vais le mettre devant et faire c'est Sparta et le pousser dedans, mais j'ai pas réussi. Et voilà, du coup, je me sens mal. Attendez, on va se calmer là. Déjà, je vais reprendre une torche pendant que c'est bon. Voilà. Et on explore un petit peu. Alors. Ok, ouais, donc faut définitivement pas tomber là-dedans. Là, d'accord, là il n'y a rien. Là, à notre gauche, qu'est-ce qu'on a? Que dalle, le mur invisible, non. Ok, donc effectivement, l'échelle c'est la seule solution. Hop là. Là, tu restes appuyé sur courir et là ça. Et ouais, je vais trop vite sur les échelles, je comprends pas. C'est cool. Oula, qu'est-ce que tu fais? Non. Brûlé! Brûlé! Aïe! Ah! Oula! J'aime pas trop quand ils font des sauts de lapin comme ça. Embuscade! Ouais, enfin ça va l'embuscade. Ah si, embuscade! Ah! Parce que du coup, ouais, il disait embuscade, je pensais qu'il parlait juste du mec devant, mais. Attends, me laisser tomber, y a pas un vrai chemin conventionnel? Non? Bon, d'accord. Bon, la torche est en train de s'épuiser donc. Hein. Ah, pas le temps de prendre des décisions là, faut agir vite! Mousse toxique, ok, super. Non, je suis quoi, je suis coincé? Fuck you. Non, je veux rester, ok, ok. Je veux juste être sûr. Mais sinon, on n'a pas d'autre chemin, on n'a rien, d'accord, c'est juste comme ça. Sinon, on a un truc là, on peut pas y aller. Et du coup... Ah! Ah si, si, parce que oui, si, bah oui, j'étais tombé. Allez, je pouvais l'ouvrir sur... C'est vrai que j'ai pas pensé sur le rôle, il faut que je casse la porte! Et non, j'étais pas obligé, C'était pas nécessaire. Ah ah! Non, y'a rien. Ok! Ok! Non, on le pousse. Voilà. Voilà, on continue de le pousser. Voilà! Ah, il est pas mort. Je sais pas comment il a fait, hein, mais il est pas mort. Il est pas mort. Ok, attendez, parce que du coup je peux faire le tour et ramasser ce truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon bah, c'est cool. J'ai une chance de bâtard. Oui, attendez, parce que déjà je devais remonter à la base. Ok, voilà. Voilà, je devais remonter à la base pour aller chercher le truc. Alors, on essaie de pas aller trop vite. Putain, il est apparu. Voilà, comme ça, il réapparaît pas. Enfin, il réapparaîtra si je retourne le feu de camp, mais... Voilà. Essayez saut et donc attaque, nope. Pas question, je me laisse tomber, moi. Je sais qu'on peut crever facilement. J'ai une armure Drangleic qui est pas mal lourde. Et je sais qu'on prend plus de dégâts quand on a des trucs lourds. Voilà. En tout cas, on a un feu de camp qui a été activé. Une petite invocation. Laundry, non. Non, je sais quand c'est un PNJ, quand c'est un joueur, hein, faut pas me prendre pour un con. Oula. En même temps, je fais le con, j'attaque direct. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu fais toi. Voilà. Ramasser objet. Oh, nice. Yeah. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, j'ai pas accepté quelqu'un. Hein. Parce que du coup, je vais cliquer pour savoir qui c'était, mais j'ai dû appuyer trop de fois. Oula, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est la farandole, là. Ennemi par ailleurs misérable. Grande dame, petite bardane orange. C'est mignon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Spartan orange. Je sais pas. Une orange. Qu'est-ce que c'est qu'une barre? Ah, améliorer temporairement la def de feu. Ah ouais, ça peut être pas mal. Enfin, pas là, mais bon. On sait jamais, plus tard. Ah, un petit saut. Oh là, il y a un gros truc là. Bonjour, monsieur le gros truc. Yeah. Ok. Ouais. Ouais, ça reste pas trop... Ouais, c'est pas trop dangereux. Ça a l'air plus menaçant que vraiment dangereux. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, attendez. Est-ce que je vois des ponts et tout? Du calme. D'abord, j'explore un petit peu. Ok. Là, on peut monter. Et sur la gauche, on a quoi? J'ai cru que je tombais dans le vide, mais ça va. Oula. Je voulais cibler le monstre, mais au final j'ai ciblé ça. Attends, je vais essayer de récupérer ça vite fait. J'aime de vie, ok. Oula, merde, j'ai fait le con. Est-ce qu'on peut les backstab? Oui, on peut. Ok. Oh putain. Hop, soin. Ok, vas-y, fais tes saloperies. Ok. Non. En ce moment, il m'a laissé le temps de me casser. Vas-y. Oh, il fait qu'une seule attaque, ça, c'est pas trop dangereux. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça? C'est ça qui t'arrive? Bah ouais, on s'est fait mal. Encore 14 minutes de torche, bon on est bien, c'est cool les petits épisodes comme ça, on a les torches tout du long. Bon par contre faut arriver à les fermer quoi, mais c'est cool. Oula, je sais pas du tout pour... On peut ramasser du coup. Je sais pas du tout, j'ai aucune idée par où je suis passé là pour arriver là. Ok. Voilà. Masse d'arbres. Piège. Piège de quoi, on sait pas. Mais il y a un piège, c'est ça qu'il faut savoir. Ok, et là oui, je dois être sur la pente, ouais, que j'avais vu, Ok, qu'est-ce que tu me fais, toi? Non mais, faut arrêter vos farandoles, là, parce que là, faut vous calmer, là, on n'est pas au cirque. Voilà, genre là, tu vois, ça c'est pas le genre de truc que je tolère, ça. Voilà, ma caméra, elle a fait n'importe quoi. Mais bon, on en est sorti. C'est... Ah. Je me prends des coups. Attends, mais qui c'est qui me frappe, là? Parce que du coup je sais... Voilà. Parce que ici j'ai vu qu'il y a un truc. Et il y a un truc. Il y a un mec aussi. Et tu vois pas que je suis occupé là? Tiens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Armure de vagabond. Ok. Oula, il y a un gros bruit. Ça doit être le levier que j'ai activé. Ok, c'est toi qui me tire dessus, c'est ça? Tiens. Voilà. On est bien là. Ok, c'est ça que j'ai activé. Salut. Allez, t'as cru que je pouvais pas avancer, hein, vas-y! Oh le bâtard! Oh comme il essaie de me ken! Ah. Allez! Lance-dame! Oh bon, super, un sort! Mousse toxique, fleur verte! Faites-moi sortir! Où est-ce que je suis? C'est cool d'avoir la torche, ça fait vraiment exploration, mais je suis où je suis quoi! Oula, là je suis en train de me faire empoisonner, super! Ah, les racines de merde, genre tu pouvais pas passer par-dessus quoi. Ah, je suis un peu contracté, du calme. Les Jeux Olympiques. On a un tronc. En fait, quand je vois les troncs comme ça, j'imagine même le crossing où il suffit que je tape dessus, ça va l'enlever. Oh non, ma fille elle est pas jolie là. Clé nécessaire droit devant. Verrouillé, bah ouais, bah en même temps, je suis un connard. Hein. Ok, donc il y a plusieurs chemins. Attends, des clés nécessaires. Du coup, je regarde s'il n'y a pas une clé à ramasser, justement. Ok. Et il y a un feu en plus, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Petite torche. Il y a un truc qui se lève là. Oh non. Spooky Scary Skeleton. Oh putain, ça me maudit là. Ouais, il y a un truc de malédiction là. Qu'est-ce qui me maudit? C'est le seul? Ouh, d'accord. D'accord, il y a un truc qui me dit quand je me rapproche des eaux là. Oula, oula. Je sais que cette merde. Mais non, mais tu restes par terre. C'est quoi ça, vous êtes pas du tout pacifique comme squelette vous? Ah oui d'accord, ouais, il faut des armes divines là, super. Moi ouais, je vais continuer à avancer jusqu'à trouver le connard qui les fait revivre. Voilà. Je suis en train de me perdre. Oh, putain mais où est-ce que je suis? Attends mais j'avais pas fini d'explorer la grotte. Oh. Où est-ce qu'on est? Bonjour. Tiens! Tiens! Oula, non, 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 pas de malédiction, juste la torche. Voilà. Non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est quoi cette merde? Un truc qui me suit là. Fuck you! Ok, ça doit être cette merde là qui... Ouais. Putain, t'es moche toi. Putain, toi t'es sacrément moche toi. Ah, oui, ouais, c'était ça qui faisait revivre les squelettes. Ok. Ne lâchez rien, squelette. Ok. Oh putain, je croyais que c'était un levier. Bah non. Ah. Ok, j'aurais bien y accéder, c'est ça le truc. Y'a pas un passage, j'aurais bien aussi. Menteur, ok. Tout. Là y'a pas un truc, non, y'a que dalle. Ok. Bon bah du coup je vais aller voir le... Voilà, quand je suis sorti dehors, que j'avais pas exploré, que j'ai exploré la droite. Attendez, oui c'est là, parce que c'était encore la grille. Oui, droite ça paraît... Voilà, je vais aller à gauche parce que j'ai pas tout vu. Bonjour, je passe pas par le chemin conventionnel apparemment. Attendez, ok, attendez. Bon, j'explore tout. Voilà. Voilà. Oh là. Voilà. Ok, ça c'est le petit pot qu'on avait à côté. Non, bah non, t'as que je traversé vers le vent, mais pas du tout. Et bientôt, mais j'aurai plus de torche. Super. Je crois que ils auraient dû en donner plus. Voilà, j'explore le petit passage en haut. Ok, moi j'ai bien fait les choses dans tout l'ordre, tout regarder, tout voir. Rien louper, c'est cool. Salut. Salut. Le machin se cachait. Il faisait des blagues. Qu'est-ce que tu fais? L'âge de fantassin est à critique. Ah, crotte. Elle est pas cassée encore. Non. Alors, je dois avoir un truc pour la soigner. Et non, j'en ai pas. Bah, je vais mettre du coup l'épée longue. Voilà. Je mets l'épée longue à ma droite. Voilà. Par contre, il faudra que j'entoure le feu de camp pour aller la soigner avant de faire quoi que ce soit d'autre, parce que là, c'est ça de guerre. Ouais. Oula, 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 je vais crever là. Aïe. Enfoiré. Ronald impitoyable. Ronald impitoyable. J'aime pas trop ce mot. Impitoyable, ça a pas l'air gentil. Voilà. Oh putain, oh putain. J'avais pas des trucs pour me soigner. Ça serait cool là, parce qu'en plus il y a un truc impitoyable qui m'envahit. Voilà. Attends, je me soigne. Voilà. Ok, c'est ça l'impitoyable. Attends, je vais me soigner avant de l'attaquer parce que... C'est pas un PNJ, hein, c'est... Ça sent le... Ouais. Je veux dire, c'est pas un joueur ça, ça sent le PNJ. Okay. On me fait comme ça alors. Bon bah c'est cool. J'ai vaincu Ronald impitoyable. Ah oui, il y avait un truc là. Aïe. Tiens. Clé prison mort-vivant. Ah, je sais. Je crois savoir. Ah, je savais. Ah, feu allumé. On se repose. Ah, c'est cool. Attendez, je comprends, voilà. Attends, je pense qu'il y a un PNJ. Ah oui, je remets mon truc. Je te demande. Ah voilà, je fantassin. Et là. Épée longue. Voilà. Warrior. I thought you'd had bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Creighton of Mirror. I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You'll know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker, so don't let him fool ya. Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find a common footpad and put an end to his roguery. Ok, c'est quoi ça? Ouais. Je vais regarder. Qu'est-ce que je me sers pas? Non, je m'en sers. Je ne mords pas, je m'en fous un peu. Voilà. Ah, c'est cool. Ok, c'est cool. Bon bah du coup, voilà. On peut continuer maintenant qu'on a toutes nos armes bien là. Allez, allez, salut. Long time no see, friend. Truth be told, I was waiting for you. You see, behind that fog lies something old, I guess? Well, rather than old, the most important thing is, it's not friendly at all. Wait, what do you say about facing it with me, huh? It seems like something a normal person would agree with, right? Ok. Bon, allez, gars. Hop. Est-ce que j'ai le truc qui vient? Ah bah non, je l'ai enlevé. Bon bah, go, hein. Il met de vachement quand même celui-là. C'est cool. Ok. Spooky, scary, skeleton. Shoes dans le spine. Ah la vache! Putain, ça pique en plus. Tiens. Ah. Ça fait mal. Enfin, ça a l'air de moi. Ah, ça fait mal par contre. Tac. Putain, il m'a défoncé. Oula. Ah, il se bat contre des squelettes là. Yes. 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 Oh non. Pas yes. Voilà. Hey, oh, yo, ça pique là. Tu te rends pas compte du mal que tu fais. Qu'est-ce que je fais? Soin. Oh, bien joué. Ça, c'est le mouvement de champion, ça. Du coup, il en reste un, ça. Je sais pas ce que tu fais. Je vais sniper. Ok. Le truc est pareil, c'est le winner. Tiens. Non, faut pas que je te relève. Reste sous terre. Ah, non. Non, reviens. Non, attaque pas mon pote. Reviens. Tiens. Et... oh putain, je pensais que c'était juste une boule de feu de merde. Allez, je t'ai défoncé ta mère. Oh, on n'a pas encore gagné. Oh, c'est les pires ennemis du monde. Non. Tiens, crève. Yes. Ambidextrie plus 1. Ah bah c'est bon, là on a gagné. Merci à toi mon bon ami. Oh. Et tu vas où? Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Parce que ça n'a pas l'air d'être un endroit où on peut se casser ensuite. M'entendre devant, mais il n'y a rien. Découverte accroître devant, il n'y a rien. Ouais, ça a l'air d'être une zone un peu bloquée. Enfin, attendez, j'ai vu qu'il y a deux trucs comme ça. Celui-là d'où on vient, et ça c'est quoi? D'accord. Ouais, non, en fait, si, il y a bel et bien un endroit où s'en aller. Beau travail, pour victoire au roi. Essayez saut. Je crois pas, non. Quelqu'un est mort en tirant le levier. C'est un levier dangereux, ça. Voilà, Monsieur Pont. Monsieur Pont! C'est plus impressionnant dans ma tête. Bon, j'imaginais. Ah! Il fait sombre. J'ai le pas de truc, hein. J'ai le droit, hein. J'ai le droit, c'est un jeu de découverte. J'ai le droit de découvrir, hein. Petite échelle. Super utile. Échelle à la con, là. Hop. Tiens! Vallée des récoltes. Oula, ça empoisonne, ça. Oh, les bâtards. Ils ont mis un truc qui empoisonne et en fait quand juste après. Du coup, on va s'arrêter là, comme c'était bon, au revoir tout le monde, c'était l'épisode 9 de Dark Souls 2 avec Obi-Sam. Tchou!